Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes chaud pour la première demi-finale qui va opposer donc Renegade à Ghost Gaming. Ghost Gaming qui rentre en scène pour cette avant-dernière journée des Worlds. Ils n'ont pas joué, ils se sont qualifiés grâce aux playoffs en gagnant les playoffs. Ils avaient battu Renegade 3-0 en demi-finale des playoffs. On va voir comment ça se passe cette fois-ci. On banne Ra, on banne Hell, on banne Yeboja. Et de l'autre côté, vous avez vu le ban direct d'Apollo, c'est normal. Barracuda a été monstrueux hier dessus, ça entraîne beaucoup de problèmes d'avoir un mec qui peut speed push comme ça, donc on le permaban, on ban Aphrodite également et on first pick un Ymir. Ymir sera joué par Polar Bear Mike et ça évite que de l'autre côté il soit récupérable pour Awesome Jack. On prend Ratatosker pour Lasbra et on prend le Cupid pour Barracuda. Intéressant, logique en même temps, hein. Cupid est un léger soigneur pour ses alliés. On voit, quand on voit le nombre de ban heal qui ont été faits dans cette game, c'est assez hallucinant. On a 4 ban heal et on prend quand même un Cupid et on a ban Morrigan et Apollo. Donc ça c'est logique, mais notez que ni Perséphone est ban, ni Perséphone, ni Arling Sheng, ni Seth ont été ban. Donc on voit les priorités. Une Scylla, les amis, Scylla, le retour. Après un super BO5 hier, Scylla est de nouveau là et c'est Guan Yu pour Renegade. Ah non, Ratatosker, c'est pas pour Lasbra, excusez-moi. Ratatosker, c'est pour Sam for Soccer et le Cupid, c'est pour Pandacat, justement, c'est l'inverse. J'ai confondu. Puisque Renegade est à gauche, on aura donc un Guan Yu solo dans les mains de Variety, une Scylla au mid pour Venenu et Ymir qui sera joué par Awesome Jack. Un Anubis pour essayer de pisser sur Scylla en début de partie. Un Anubis mid. Ok. Alors pourquoi Anubis? Bah parce que ça push énormément, ça peut donc faire deux camps quand Scylla en fait qu'un. C'est le pick de Ghost Gaming, le pick Anubis. Pourquoi pas, il va essayer de peut-être mettre la sauce. Alors Ymir est fort contre Anubis quand même, hein. il peut le wall, il peut le gêner. À voir, c'est étonnant en tout cas. On verra le build qu'il jouera aussi. On bat ensuite Nemesis, 7 Kepri. Et on va retirer encore un pic de Polar Bear Mike sans doute. Alors qu'est-ce qu'on va retirer? Un Geb peut-être. Un Geb, parce que Geb pour Anubis, ça peut l'aider, hein, ça peut lui permettre de tenir. Mais bon, Geb a pas été joué de la compétition hein, pour le moment. Un Ganesh aussi pourrait être un bon ban. Qu'on a beaucoup vu contre Irafer par exemple. Et non, c'est un ban Fenrir, les amis, parce que Fenrir Anubis, ça peut envoyer du lourd. Et Fenrir Cupid aussi. Donc on décide de ban un Fenrir. Étonnant ce pic Anubis. Alors Anubis, voilà, on a tendance à penser que c'est un perso de merde à niveau pro, mais sa qualité première à Anubis, c'est de pouvoir énormément clean des objectifs. Il fait sa lane très très vite, il peut faire des camps derrière, enchaîner, donc il n'est pas si mauvais. Après, il a un ulti qui diminue ce contrôle pendant assez longtemps, mais il est assez statique. Donc c'est vrai que se dire que je vais jouer Anubis contre une Scylla, c'est un peu bizarre, parce que Scylla, elle aime bien que les gens bougent pas. Avec son ulti par exemple, on aura un Bats dans les mains de Sam for Soccer. Et de l'autre côté, il manque le pick de Lasbra et le pick de Barracuda justement, qui a pas encore été récupéré. Une Serquette jungle pour Lasbra et on va terminer par un pick Barracuda. Sachant que le Rama est disponible, on va prendre une Artemis. Une Artemis. C'est quoi? C'est Barracuda qui veut dire à Zapan que lui, il la joue mieux? Non, je troll. Mais pas du tout. Mais c'est quand même rigolo, le pic Artemis. Parce que Artemis, c'est pas facile face à Ratatosker Bats. Elle va se prendre un Fear No Evil et puis un Knockup de Ratatosker dans les dents. Et est-ce qu'on n'aurait pas un petit Arthur comme l'aspic? Il faut quand même un gros frontliner, là, ça serait bien. Ah non, c'est un Rata solo. C'est un Rata solo, les amis. Donc là, il manque le pic de Polar Bear Mike. Et donc, le pic de Polar Bear Mike, c'est un Cerberus. Voilà, il faut un truc qui tank, là, parce que là, ils n'ont pas une frontline incroyable. Bon, dis donc, cette draft...
les dedans de cette draft. Il n'y a pas de Seth, il n'y a pas de Perséphone. Ah bah si, il y a un Seth ban. Mais il aurait pu être pick largement avant, parce qu'il a été ban dans la deuxième phase. Mais il n'y a pas de Perséphone, ok. Et ils ont en même temps, Scylla et Anubis ont été pick très très tôt. Draft étonnante des deux côtés. Alors Renegade a peut-être une meilleure front lane, hein, avec un Guanyu et un Ymir, c'est même certain. Par contre, Artemis, on sait que c'est chaud. Artemis, c'est très très chaud à jouer. On l'a vu que Zapman a pas mal souffert hier, puis il a fini par abandonner, hein, parce que c'était quand même très très chaud ce qu'il prenait dans la tête. Et là, on réinsiste. On a Barracuda qui décide de partir sur Artemis. Ok, bon, ça reste quand même un personnage qui contrôle pas mal. Donc si on regarde, regardez le nombre de stuns, regardez le nombre de contrôles. Ymir le slow, bon, c'est un léger contrôle, vous allez me dire. Il a le freeze. S'il a Alsikem, le slow de son crush. Guan Yu, il a son ulti. Serket, elle a son 2 et son ulti. Artemis a son trap, son slow de son 3 et l'ulti. Ça fait beaucoup de contrôle. Après, on a des Cupid n'a pas d'immune contrôle. Ratatosker en a une. Anubis en a une. Anbats n'en a pas, c'est vrai. Et Cerber en a une. Je sais pas s'il a une légère. Il a une légère immune, Cerber. Peut-être. Peut-être. Pendant un court moment. Pendant au moment où il appuie sur son ulti jusqu'à qu'il regroupe les gens. Je crois qu'il en a une légère. Donc intéressant. Vraiment très intéressante la draft des deux côtés. On se retrouve tout de suite pour le début de la game. A tout de suite. Et on est parti dans cette première game un petit peu à la bourre, oui, parce que Smitro était en avance par rapport au stream officiel. Panda 4 qui prend des lourds dégâts là. Le 2 qui ne passe pas, superbe move de Panda 4, hein, de penser à esquiver ce sort, de connaître un petit peu le cooldown, le fait que Ymir récupère son sort de dépush extrêmement vite. Pour l'esquiver, fallait vraiment pas le prendre. Et gros début de game de la part de Wesom Jack et de Barracuda qui montrent direct qu'ils ont les crocs. Et qu'ils n'ont pas prévu de se prendre un 3-0 comme ils avaient subi lors des playoffs. C'est leur moment, c'est maintenant qu'il ne faut pas se rater. On est au championnat du monde, c'est une fois par an. Et on aimerait bien gagner les 400 000 dollars du côté de Barracuda, je pense. Alors qu'il a déjà gagné le premier World où il y avait 1 million de dollars à gagner. Je crois que c'était 500 000 pour les gagnants. Là, c'est 400 000 pour les gagnants. Donc c'est quand même pas mal de sous. Hop, oh, bon, oui, il va se téléporter, bien sûr, sur la Scylla, qui est obligé de fuir avec la sentinelle. Venenu, qui s'est fait un petit peu avoir, là. On voit, hein, ça se rend coup pour coup. Sur la duo, c'est OSM Jack et Panda 4 qui dominent. Sur la middle, oh, attention, le petit Rata. Variety qui s'en sort très très bien, mais là, il prend beaucoup de dégâts des archers, regardez. Ça fait quand même assez mal, les archers dans Smite. Faut vraiment s'en méfier. Allez, le petit stun, mais c'est pas très grave. On voit que Rata, voilà, il a besoin de son item complété pour tenir. Il l'a pas encore. Ça va aller mieux hein, quand Rata Tosker aura son item. On rappelle que Rata n'est pas obligé de retourner dans son spawn pour compléter son Acorn. Les bottes en deux pour la petite Scylla. Et la Serket qui a déjà fait son speed. Et qui décale sur le bleu derrière. Voilà, Fine OK. Qui met la pression. C'est bien. Et qui va chercher son bleu ensuite. Bon, c'est en parallèle hein, pour le moment au niveau des junglers. On ping l'Anubis. Je ne m'attendais à rien. Et je suis comme... Merci pour le sub, Boss Battle. Pour les 5 mois de sub, merci beaucoup. Merci beaucoup, Boss Battle. Et Fine OK. Qui met son sort, son 2 là. Quand même très très fort ce sort, moi je l'aime beaucoup. C'est vrai que depuis que Rata a été rework, je ne me suis pas forcément trop intéressé. Mais faudra que je le joue. Le buff purple, hop. Et le purple qui est fait des deux côtés, les oracles pour Anubis. Vous voyez, ce pic Anubis, il est beaucoup plus présent dans la jungle que le pic Scylla, hein, c'est logique. Ça jungle vraiment très très bien Anubis. Enfin, ça fait les camps de jungle très très bien, c'est pas un jungler. Hein, mais ce que je veux dire, c'est qu'il peut les clean beaucoup plus. Il a tout le temps un sword up, il a soit son 1, soit son 3. Alors que Scylla, bah, elle a juste son crush pour des push. Donc en général, elle prend la pression face à un Anubis. Et ça lui permet de faire pas mal de camps. Les bidarpies ont déjà été faites.
voyez un petit peu la différence de des poches. Allez, Variety qui met pas mal de dégâts sur Fine, ok. Et on retourne sur la duo. Le stun ne passe pas côté Polar Bear Mike. Allez, Anubis qui back, Scylla qui back. Et pour le moment, c'est très safe. On farm des deux côtés. Alors, Ghost Gaming réussit mieux à ce petit jeu. 500 gold d'avance sans avoir fait de kill. Donc, c'est comme s'ils avaient eu le first blood, en fait. Hop, Anubis qui balle un 3. Hop. Ça, il a un léger avantage. Anubis, on voit. Scylla vient de passer 6. Mais Anubis aussi. C'est très léger entre les deux. Je pense qu'il est quasiment pareil d'ailleurs, vu que Scylla elle est passée aussi level 6 grâce au speed de Serket. Donc en fait ils sont à égalité les deux. Et ça y est, on a fini l'accord de côté de Rata, ça va aller un petit peu mieux. Côté Guanyu, on a fait les tabis de guerrier. Il va essayer de lui mettre la pression. Ah bon, l'item bien évidemment c'est pas pareil. Hein. L'item de Rata est pour moi plus puissant que des bots. Donc forcément, Variety prend encore la sauce. Tant qu'il n'aura pas le plastron de valeur, qui sera sans doute peut-être le prochain objet, il va maintenant beaucoup souffrir dans le match-up face au Rata Tosker. Au début, forcément, Rata il souffre le fait que ça soit un assassin contre un guerrier. Mais une fois qu'il a son premier objet terminé, je pense que c'est une autre histoire. La Variety qui est obligé ouais, de laisser son vis-à-vis des pushs en premier. Ouais, il accepte même de prendre une partie du Taolu. Tellement c'est rentable. Il y a plus de gold sur le first blood que sur un deuxième kill. Oui, bien sûr. Oh oui, le freeze pour empêcher Polar Bear Mike de voler le buff. C'est bien. Et Unbats qui se balade, les amis. Qui veut essayer de gêner l'Asbra. Qui récupère les deux. Mais la grosse, on sait pas. La grosse harpie, on sait pas qui l'a eu. Fine, ok. Est-ce qu'ils veulent tenter un truc sur Variety? Variety, tu vois, sur un Guanyu, faut tenter un truc maintenant. Sur beaucoup de solos, faut tenter un truc maintenant. Parce qu'ils rushent un tabi de guerrier pour faciliter leur phase de dépush. Mais ils ont pas de. Ils sont pas encore ultra tanky. Dans 5 minutes, ça sera trop tard. Le décal de ta Captain Twig. Et c'est un kill! Et c'est un deuxième kill! Bien joué! Très très bien joué. Ils ont voulu jouer trop agressif. Et c'est bien ça. C'est ça la force d'Anubis. C'est qu'il peut décaler. Ensuite, regardez, il fait Oracle Harpy. Ensuite, il va aller faire le petit camp. C'est ce côté un peu là d'Anubis qui est sous-estimé par les gens en général. C'est son côté très, très indépendant. Et je marche un peu. Voilà. Alors, c'est sûr que vous prenez des camps à votre jungler. Donc, c'est pas toujours très, très bien. Et très bien vu. Mais si votre jungler est bien dans sa game, et là c'est quelqu'un, Sam for Soccer a un level d'avance sur, enfin pas un level, sans doute un demi-level sur Nazmra, vous vous rendez compte que c'est vraiment bien de faire ça et d'avoir quelqu'un qui est tout le temps présent. C'est le défaut de Scylla, ça a toujours été le défaut de Scylla, hein, c'est ce côté un peu absente dans les fights de jungle à cause de ça. Oh, OSM Jack là qui va peut-être mourir. Non, il va s'en sortir, il roule au dernier moment, mais Cerber le suit, l'arrivée, le flash out, Sam for Soccer réussit à placer un fear, et c'est déjà le 3-0, c'est dur ce que prennent Renegade, mais là, normalement, on va peut-être pouvoir sécuriser un kill, et non, il a jump, ils ont pas attendu le jump de Cerber, ils savaient pas où ils en étaient, et le face shake contre Anubis, ça fait super mal, 1-0-2. Et Captain Twig, qui est pour le moment le joueur qui a créé le plus de situations favorables à son équipe. 1-0-2. Le Seekem Crush, on met pas mal de dégâts. Mais vous voyez, regardez Bats comme ça fait mal! Oh là là, la claque! Oh la claquounette! Sam for Soccer qui one-shot Scylla. Le ticket calé, ça suffira pas. Et Bats récupère son jump dans pas si longtemps que ça. Donc ouais, c'est mort. On va se retourner. Non mais il a 4 levels de retard, qu'est-ce qu'il croit OSM Jack, l'arrivée de Rata Tosker, l'arrivée de Fine, ok. Et c'est le 6-0. Oh là 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 là, ça va être dur, c'est très très dur, non. L'arrivée, on essaye de tenir, Captain Twig qui prend le contrôle. On essaye de placer, mais il est trop tanky, il est trop tanky, la banque Croft, c'est broken.
4-0-2 pour Anubis. Oh, il se marre bien, il se marre bien, Captain Twig. On est à niveau pro et ils ont oublié ce que c'était qu'un Anubis First Item Bancroft. Ils l'oublient et ils se font manger tout cru. Level 11, il a déjà sa Bancroft, ses bottes de mage. Et il part sur un croc du typhon. Aïe, 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 aïe. C'est ça de jouer un pic qui n'est jamais joué et qu'on considère comme un pic de noob. Finalement, derrière, on ne sait pas jouer contre. Et on se fait brain par son côté. Oui, il est low, mais en fait, vu qu'il est low, il régène plus. Vu qu'il est low, il a plus de puissance. Et donc, il fait très très mal. C'est toujours cette difficulté contre Anubis de savoir s'il faut mieux y aller ou s'il faut mieux se barrer. Est-ce que je vais pouvoir le tuer ou c'est lui qui va, grâce au fait que je lui baisse ses PV, il va me tuer. Allez. On met un wall. OSM Jack, il peut plus rien faire. Il a 4 levels de retard. Et hop! Mais ils savent pas jouer contre Ymir! Ils savent pas jouer contre Anubis, c'est pas possible! Ymir, c'est trop dur! Ymir, c'est trop dur contre Anubis! Pas de sort de repositionnement! Le sort passera à travers le wall! Aïe, 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 aïe! Il peut plus rien faire, cet Ymir! Il est trop derrière! 6 levels de retard sur Anubis, il se fait manger tout cru! Et c'est la première Gold Fury! On est à 7000 gold d'écart à 10 minutes de jeu. C'est une fessée, une déculottée. Renegade prend un gros coup au moral là. Lasbra, 3 levels de moins. Peut pas faire grand chose non plus. Mais bon, Fainoke est tout seul. Fainoke va s'isoler. Appuyer sur ulti maintenant après avoir évité le 6KM. Et il s'en sort. Bien joué. Même se payer le luxe de prendre le totem of coup. Là, il tank naturellement parce que bah, il a des levels d'avance. Donc forcément, il n'est pas si simple que ça à tomber. Hein. 3 levels d'avance, 3 levels de retard plutôt pour Lasbra. Plutôt comme ça qu'il faut le voir. Et c'est une Scylla orbe funeste. Alors, les items d'Anubis saison 8 sont absolument pas nerfés d'ailleurs. Les items que prend un Anubis, c'est pas les items d'Anubis, mais voilà, vous m'avez compris quoi. Alors que l'orbe funeste, par exemple, saison 8 énerve, celle qui est l'item qui est fait par Venenu. Allez. Alors, c'est rigolo, c'est que j'en parlais il y a quelques jours et je disais, ouais, les équipes ne prennent plus de personnages qui permettent d'all-in la gold. Et bah là, vous en avez un, Anubis. Anubis, tu mets un 3 ulti sur une Gold Fury à 5 minutes de jeu, je peux t'assurer qu'elle tombe très très vite la gold. Donc c'est rigolo, on n'a pas pu le voir dans cette game, mais c'est un all-in qui est possible hein, d'Anubis et qui fonctionne vraiment bien. Là, il n'y en a pas eu besoin. Quasiment 9000 d'écart de gold entre les deux équipes, c'est chaud. Lasbra qui peut... 5 levels de moins que le solo laner adverse. Là, ça va être chaud. Hein. Ça va vraiment être difficile. Parce que oui, on est sur un base et un Ratatosker. Donc, de base, une composition qui n'est pas si tanky que ça. Regardez comme ça tombe vite. Valetti qui aimerait bien KS. Le stun qui ne passe pas. Ils ont forcé l'escape de Scylla. Ça s'est bien joué. Ils savent qu'elle ne peut pas faire grand chose pendant quelques secondes maintenant. Hop, on récupère le pyromancien. Pas de souci. On prend les mid-harpy. Et les cartes de gold qui continuent d'augmenter. Le problème, je vous le dis souvent hein, à chaque fois, mais c'est qu'il ne faut pas se faire snowball trop tôt dans le jeu. Avoir 10 000 d'écart de gold à 30 minutes, c'est pas trop grave. Mais avoir 10 000 à 15. C'est irremontable parce que vous n'avez pas que des golds de retard, vous avez aussi des levels. Ce que vous n'avez pas à 35 minutes de jeu, ce qui fait qu'à 35 minutes, il y a peut-être le support. À 30 minutes de jeu, il y a peut-être le support. Il met encore level 20 si c'est vraiment il fait une game de merde. Là, le TP, Serket, elle a été obligée d'utiliser son escape. Vous avez vu, Samsour Soccer, il a mis 3 auto-attaques. La Serket, elle a perdu la moitié de ses PV. Never surrender. Bah, ils vont pas surrender, ils ont pas le droit. En pro. On passe sur N.
Par contre, ça se voit très clairement quand ils abandonnent et qu'ils laissent l'équipe un peu mettre un point. Allez, fine, ok. Tranquillou avec son petit ratatoscœur là. Des mers, c'est ça, c'est un ratatoscœur des mers. Allez, on est en train de mettre la pression à Barracuda. Fine, ok, claque son ulti. Il a préféré jouer safe, il a raison. On va partir sur une massue. Le bat, ça a un petit crusher lamentation de l'hydre. Le croc du typhon terminé pour Anubis. Pour, comme ça, ça lui donne 10% de pénétration et surtout de la puissance par rapport à son drain de vie. La Scylla, on tente un move sur Fine, ok. Est-ce que c'est possible? Alors, sachant qu'il est level 15, regardez, on lui claque tout. Il va finir par mourir, mais ça n'aura pas été facile. Il aura fallu tout lui mettre. Et pendant ce temps-là, bah, on fait tomber une T2. Donc, c'est un kill sur un solo laner pour une T2, sachant qu'il n'y a pas de pyromancien enchaînable derrière. Donc, c'est pas rentable. Et l'écart de goal passe à 11 000 d'écart. Et oui, un kill sur Fine, ok, qui est seulement en 0-0-3, ça donne 500 goal peut-être maximum. Alors que la tourelle T2 de la duo donne 300 goal à chaque joueur. Donc, 1500 au total. Variety qui essaye d'y aller. Et Captain Twin qui va complètement nullifier cette T2. La cavalerie fuit! La cavalerie fuit! Anubis roule sa tête sur le joueur, sur le dieu chinois qui mouline avec son Taolu. Aïe 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 aïe! 6-0-3, c'est impossible! Il sous-estime complètement Anubis. Anubis crée une zone où on ne peut plus rentrer dès qu'il appuie sur son ulti. Il faut se barrer. Plus personne à l'heure actuelle peut rester près d'Anubis quand il appuie sur son ultimate qui s'appelle Gaze, je sais pas quoi, je sais plus comment il s'appelle. Into the Gaze, je sais plus comment il s'appelle. Star Anubis, c'est Star Wars l'étoile de la mort. Oui, c'est ça. Ymir s'en approche, il a pas le temps. En fait, Ymir s'en approche, il le freeze. Au moment où il a l'animation du freeze, Anubis appuie sur ulti, Anubis se dit oh oh, il faut que je fasse demi-tour. Il a pas le temps de faire demi-tour, il meurt. S'il est dans le 3, il n'a pas le temps de faire demi-tour, il meurt. Guan Yu, il appuie sur cavalerie, il dit bah, je vais aller mettre la pression. Mais au moment où il va essayer de retomber pour stun Anubis, Anubis appuie sur ulti, il est pas stun et il le mange tout cru. Le temps qu'il reparte, c'est fini. Anubis, quand c'est fit, ça crée une zone où tu peux pas rentrer en fait. Tu peux pas y aller. Oui, Sam Jack qui prend de lourds dommages. Le premier Fire Giant. À 17 minutes, Variety qui veut essayer de contester. Il a un caducé et un plastron de valeur. Il n'a pas beaucoup de défense magique. Et le Fire est laissé. Ils le savent, hein, Renegade. C'est fini. C'est vraiment juste rester vivant pour rester vivant. Mais ils se sont pris une déculottée. Ils ont sous-estimé Anubis. Et Anubis a montré que faut pas. Anubis, c'est fort si on est meilleur en termes de call. Et c'est ce qu'ils ont prouvé. La OSM Jack et Barracuda se sont fait punir. Ça a fait vraiment très très mal le décal d'Anubis avec les deux kills. Bâton de Tahuti sur Anubis. Donc encore plus dangereux quand il va le stun. Et je suis pas sûr que Scylla puisse le tuer. Et non, elle peut pas. Et Rata décolle. Aïe 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 aïe. On retombe sur Lasbra. Lasbra qui met le fear. Qui met. Pardon, pas le fear. Si, c'est un fear. Oui, si, c'est un fear. C'est un fear quand t'es à côté de quelqu'un. Non, c'est un. Ouais, tu veux faire un câlin à ton teammate, quoi. Oh, Variety qui prend le kill sur Panda 4. C'est bien joué. Oh là là, un Cerber. Le Cerber qui mouline. Et Polar Birma qui sécurise son kill. Fine, ok. Et Captain Twig qui vont essayer de sécuriser la T1. On a réussi à la T2 mid, sachant qu'on a fait tomber la T2 de la solo lane. Aïe 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 aïe. C'est une démonstration. Oh là là, la courbe d'XP, la courbe de gold. On se croirait dans une de mes ranquettes. Free pyromancien derrière. Et le fire qui repop dans 3 minutes 16. Le live vient de passer en moins de 18, exactement. On a maintenant quasiment 20 000 gold d'écart.
Oh, y a eu plus de 18 000 gold de retard. C'est chaud, chaud, chaud. Très, très dur, là. Allez, on continue. On a encore le buff fire pour 1 minute 25. Largement de quoi s'attaquer à des phoenix. Et Anubis, bah, il peut s'amuser encore. Hein. Il a son bâton de Tahuti, la lance de mage. Oh là 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 là, la lance de mage! La lance de mage sur Anubis. Oh, c'est chaud du cul. Ils vont attendre les sbires. En plus, regardez, Bats se paye le luxe d'avoir une cape de mage pour être instenable par Barracuda facilement. Ricochet, on est en train de faire tomber les objectifs. On clean la lane, on met un Fear No Evil, on fonce sur Scylla. Captain Twiki réussit à sécuriser un kill. Et malheureusement, l'Anubis est trop dur à faire tomber. OSM Jack qui réussit quand même à sécuriser deux kills. Attention, Lasbra. On survit du côté de Fine, ok. On n'a pas réussi à faire tomber le Phoenix, mais on a fait un 3 pour 1. Lasbra qui se fait chase à l'infini. Mais Lasbra qui va sans doute... ouais, il s'en fout en fait. Il l'abandonne. Il sait que c'est une circuit, ça a trop de mobilité. Il essaie juste de gagner du temps, Lasbra. Phoenix qui tombe. Non, mais un Bats peut pas chase une circuit, c'est pas possible. Normalement, hein, je vois pas comment il peut. Ça a deux sorts de mobilité contre un, donc... enfin, il a deux sorts d'une certaine manière, mais il faut toucher son 3, c'est compliqué. Frigol Fury derrière. Et on va passer le cap des 20 000 d'écart de gold. 20 000 à 20 minutes en saison 7, c'est extrêmement rare. Il y avait des games comme ça à niveau pro en saison 1. Et derrière, ils ont nerfé le snowball. Les tours rapportaient moins de gold. Les Gold Fury, les Fire, les monstres de Ling rapportaient moins de gold pour éviter qu'il y ait cette possibilité d'avoir 20 000 d'écart de gold à 20 minutes. Ils l'ont atteint à peu près, pas vraiment encore, mais bon, c'est comme si 19 000 à 21 minutes de jeu, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. C'est une tollée qu'ont mis Ghost Gaming à Renegade. C'est très très rare de voir ça à niveau e-sport. 10 000 à 20 minutes, c'est déjà énorme, mais 20 000 à 20 minutes, ouais, c'était saison 1 les amis. Et après, ça a complètement disparu. Regardez comment Polar Birmac pisse sur Barracuda. Littéralement, alors que c'est un support et qu'il a juste une divine ruine en termes de dégâts. Et le début du bâton. D'un bâton. Allez, on récupère le deuxième Fire Giant. Tu peux analyser un petit peu les builds. Le Ratatosker est briseur. Alors il a le gladiateur, la massue, le pride wen et le bouclier du vide. Donc il est full briseur. Avec des items qui donnent à la fois des dégâts et à la fois de la tankiness. C'est le build à la mode. Côté circuit c'est pareil. Côté Gwen Yu c'est pareil. Il fait le plastron de valeur pour la CDR, le caducé pour son heal. Et pour healer les autres, le massue pour avoir beaucoup de PV. Et petit bug, on se retrouve tout de suite pour la suite de cette game. Et on est reparti dans la game. Attention, on a l'ulti l'ulti ici qui passe. Et on a Renegade qui prend très très cher. Allez, on va pouvoir terminer la game. On all-in le titan et c'est fini. Il reste seulement quelques joueurs vivants du côté des Ghosts. Mais ils arrivent à terminer à 23 minutes 31 de jeu. Les Ghost Gaming s'imposent face aux Renegades sur cette première game. Et on est parti dans la deuxième game de ce match entre Ghost Gaming et Renegade. On a eu une première manche. Ouf, faut mieux l'oublier pour Renegade, il va falloir repartir. On continue les bans healer avec Aphrodite, Yemoja, elle. On ban ensuite Morrigan, la déesse celte aux trois visages, aux multiples visages. Ymir.
Et Anubis! Anubis est ban, les amis! Anubis a été retiré. What the fuck? What the fuck? Un Anubis ban, les gars. Ratatosker. Ratatosker qui est first pick. Et on prend Apollo. Apollo qui n'a pas été ban et qui est pris finalement. On se dit, côté Ghost, qu'on va leur laisser une chance. On peut battre Barracuda avec Apollo. C'est un pari risqué. Je sens que Renegade va avoir une très bonne draft. Et là, il va falloir que Renegade montre du level. Parce que s'il ne gagne pas avec Barracuda Apollo, je pense qu'on aura du mal à gagner sur ce set. Ouais, ils ont Apollo plus 7. Ils ont quand même deux picks extrêmement forts à l'heure actuelle. Le Cupid en face pour contrer un petit peu le set. Allez, on a un Cupid. Est-ce qu'il va être lock pour Panda 4? Et on aurait ensuite un pick mid pour éviter qu'il soit ban, peut-être. Pour être intéressant. Perséphone. Petite Perséphone, là. Allez, 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 dispo. Et ça, c'est marrant qu'elle n'ait pas du tout été jouée. Et non, c'est un Poséidon, les amis. Poséidon pour comboter avec le Ratatosker, également avec le Cupid. Hein. Ça fait double cripple. Cripple de l'ulti, cripple du Whirlpool de Poséidon. Alors Venenou, il va devoir partir sur un pic. Vous voyez, encore une nouvelle fois, Poséidon, ça push énormément au mid. Un Ares! Oucha! Ares pour OSM Jack. Donc très agressif. C'est vrai que Cupid n'a pas d'immune contrôle quand il appuie sur son ulti lui-même. Poséidon non plus. Donc Ares peut déjà forcer la purif de Cupid et la purif de Cupidon, de Poséidon avec un bon flash ulti. Bon, faut qu'il soit paqué aussi. On banne ensuite Perséphone, qui est également un personnage qui a un ulti qu'on veut purif. Donc ça explique pourquoi ils veulent pas qu'elle soit jouée. Parce que Seth manque de contrôle. Apollo, bon, il a une Serenade, c'est quand même très corps à corps. Donc c'est vrai qu'en retirant Perséphone, bah, il se retire une épine du pied de deux personnages qui synergisent bien quand vous avez des personnages qui n'ont pas beaucoup d'immune. Ensuite, on a ban Unbat, c'est Thor de jungler pour essayer de gêner le plus possible. Ça me force au cœur. Alors, le dernier ban. Est-ce que c'est un ban mid pour Venenou? On va pas ban Sassila quand même. Si là, on se dit que c'est pas un problème, justement, parce qu'on a Poséidon. Donc, je pense qu'on va pas ban Sylla. On va partir sur quoi? Et on ban Guan Yu. Ok, donc Guan Yu, je pense que c'est un bon ban. Qui aurait pu être joué par Variety, c'est certain. Et ça applique un contrôle, ça applique un stun de zone. Qu'est-ce qu'il va pouvoir jouer Variety? Il faut qu'il joue un truc qui peut mettre des contrôles. Donc Wukong, c'est quand même assez limité. Je trouve les contrôles de Wukong. Il a un peu de slow. Il a un stun sur la forme de Tiger, mais c'est rarement utilisé. Et il sait qu'il joue sans doute contre un Ratatosker, même si le Rata peut passer jungle, hein. Tout à fait possible. Beaucoup de réflexion hein, sur la draft. Faut pas se rater. On va prendre une Discord au mid. Ok. C'est bien. Ça force les purifs aussi. Et ceux de très très loin. Donc c'est cool. Ensuite un Cerberus. Ok. Pas mal aussi. Cerberus pour Polar Bear Mike. Et on va terminer la draft. Côté Ghost, par un pic, il leur manque le pic jungle. Donc, qu'est-ce qu'il y a qui est disponible? Il y a Ravana qui est bien contre Ares. Et boum! Le Ravana qui tombe! Le Ravana qui tombe! Bien joué, le pic, bah, c'est logique en même temps. Ravana c'est quand même très tranquille. Ça peut contrôler 7, ça peut se barrer. C'est assez bien contre Discord. Ça lui saute dessus. Les sorts sont assez grands pour la toucher, même si elle est dans son sort un petit peu d'invisibilité. Allez, est-ce qu'on va partir sur un Wukong? Maintenant qu'on a du contrôle sur Discord. On a quand même plus de contrôle de l'autre côté. Un Achille. Ah, un Achille serait bien. Pour avoir le stun. Le double dash. Et l'immune contrôle sur son ulti. Est-ce que Achille est validé par Variety?
Achille face à Ratatosker, donc Cerberus support, Ravana jungle. Est-ce qu'on valide l'Achille, les amis? Qui irait assez bien avec cette compo, pourquoi pas. S'il y a des ulti Ares qui passent, Achille ça tank bien, c'est quand même un personnage qui peut carry, juste parce qu'il a du Kill's Threshold à la fin, vous pouvez le build de plusieurs façons, soit hybride, soit full tanky. Full dégâts, je trouve que c'est un peu du gâchis, puisque vous avez déjà suffisamment de dégâts si vous le buildez hybride. Donc Achille est validé, le héros de la guerre de Troie. Et très intéressant la draft des Renegades. Ouais, je pense que ça, c'est sûr, s'ils ne sont pas capables de gagner avec cette draft-là, je pense que ça sera très très chaud pour nous gagner une game d'après. Et puis s'ils gagnent, moi je pense que derrière, il y aura un permama d'Apollo. Si Apollo leur fait vivre un cauchemar, si Barracuda leur fait vivre un cauchemar, je pense qu'on aura du Apollo ban de retour. Je pense que Ghost Gaming s'est dit, bon, on peut essayer de les battre sans ban Apollo. Et on verra après si ça se passe pas, s'il y a un partout. Et à partir de là, je pense que pour le reste du BO5, il sera retiré. Allez, on se retrouve tout de suite pour le début de cette deuxième game. Et on est parti dans la deuxième game de ce BO5. C'est parti les potes, Ghost Gaming est en bleu. On aura donc Fainoke en solo lane avec Ratatosker, Sam for Soccer 2 qui va jouer Ravana Jungle, Captain Twiggo mid avec son Poséidon, Polar Bear Mike avec un Cerberus en support et Panda 4 en ADC avec un Cupidon. Côté Renegade qui seront côté rouge cette fois, Variety en solo lane avec Achille, Lasbra en jungle avec Seth, Venenu au mid avec Discord, Awesome Jack avec un Ares et Barracuda sur son petit Apollo. Alors est-ce que Barracuda va être aussi solide qu'hier? Là on voit direct l'invade, Barracuda qui prend la pression, ils ne l'ont pas vu venir, il prend l'air de bombe, il survivra Barracuda mais il a perdu plus de 80% de ses PV. OSMJA qui prend des autos, oh là là qu'est-ce que c'est dur. Et on retourne, on essaye d'empêcher Barracuda de faire le buff. La chaîne Kemi. Attention, Wesson Jack, il est en 1v2, qu'est-ce qu'il fait? Et c'est le First Blood! Et c'est le First Blood! Il essaye de se servir de ses propres sbires! Aïe 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 aïe. Ils n'ont pas suffisamment checké. S'ils se faisaient invade, ils étaient peut-être persuadés de ne pas se faire invade. C'est vrai que la chaîne d'Ares, les amis, elle a été légèrement up, mais ça pue la merde quand même. Ares, dès qu'il a claqué sa chaîne pour faire tout ça, Sam for Soccer qui est là en counter gank, Laspra qui peut pas vraiment faire grand chose, la chaîne qui est mise de la part de Wesson Jack, mais qui ne mettra pas les autres. Est-ce qu'on peut valider ce purple? On a Barracuda qui part, qui revient sur Panda 4. Est-ce qu'il peut clean l'objectif? L'air de bombe, Panda 4 ne sait pas surprendre. Il avait déjà setup le stun pour Barracuda. Derrière l'arrivée de Venenu qui sécurise le kill. Allez, faut tuer Polar Bear Mike là. Ils ont resté beaucoup trop longtemps. Et ça permet à Renegade de rattraper son retard. Ouh, ils ont beaucoup trop insisté, Ghost Gaming. Pourquoi? Et parce que le chemin que doit prendre Poséidon pour aller les aider et le chemin que doit prendre Discord est pas du tout le même. Ce qui fait que forcément Venenu est là avant Captain Twig. Et donc ils auraient dû quitter l'idée de fight depuis pratiquement 5 secondes. Ils auraient dû se dire bon ça pue la merde parce que Discord elle décale plus vite que Poséidon. Donc bien joué pour Renegade qui récupère et qui rattrape un peu son retard. Et qui réussissent à voler le purple de Panda 4. Ça rééquilibre cette game. Et heureusement, faut faire gaffe. Pour moi, Ares, il est très faible au level 1, surtout s'il a utilisé sa chaîne en fait. Il n'est pas mauvais en invade, justement, Ares peut être mis en invade, mais s'il est mis en défensif et qu'il a claqué sa chaîne sur le purple, ils ont fait comme si de rien n'était, comme si c'était une casu et que l'invade était impossible. C'est chaud, Renegade, faut se réveiller là. Faut vraiment vérifier que vous ne faites pas choper. Allez, 2-1. 2-1 pour les Renegades. C'est bien. On vole le buff rouge. Superbe travail de Captain Twig. On voit que Captain Twig, il a vachement réfléchi. C'est un vieux joueur, hein, Captain Twig. Mais c'est vraiment cette logique-là. Qui est, si vous prenez un personnage qui dépush énormément,
eh ben vous avez peut-être ce genre de léger avantage là et des punitions que vous pouvez faire. Une Scylla peut pas faire ça. Parce que si elle utilise son crush sur les sbires, elle a juste un crush et elle met une demi-heure à tuer derrière le rouge. Elle peut pas invade un rouge, une Scylla. Poséidon, Anubis, ce sont des personnages qui peuvent invade des rouges. Donc c'est vraiment bien joué, je trouve, de la part des joueurs Ghost Gaming, pardon. Qui s'en sortent très très bien. Et on voit Poséidon qui est level 6. Discord est à 1-0-1, mais elle est légèrement derrière. C'est dû au décal, ça. Poséidon, lui, il a continué de farmer. Allez, on a fini le tabi de guerrier côté Achille. Et on peut dépush tranquillement. On joue flash. 4 flash dans cette game. Et Variety qui va équilibrer le nombre de totem of coups à 2 partout. Ah non, à 2-1. 2-1, il avait déjà fait. Captain Twin qui farm. La Discord qui farm également. Le stun, c'est bien. Pendant que Fainoke avait l'aggro des sbires, il a compris Fainoke qu'il fallait qu'il se barre. Est-ce qu'il va retomber dessus? Au moment... Non, il décide de repartir. Ah, c'était très bien joué de la part de Variety, le stun sur Fainoke, pile au moment où il a pris l'aggro des archers. Ça lui a mis pas mal de dégâts. Là, ils se disent que Fainoke est en difficulté, mais le décal de Captain Twig qui montre que Poséidon peut être partout. Et Variety a été obligé de flash out. Vous voyez là, Discord, ça, c'est pas mauvais en dépush, mais c'est quand même moins bien que Poséidon, ça c'est certain. Donc on voit les petits avantages que peut mettre Captain Twig à son équipe. C'est vraiment quelque chose que j'ai toujours dit en tant que coach, prenez des trucs qui dépush beaucoup, comme ça vous pouvez mettre la pression sur l'adversaire et vous la prenez pas de l'adversaire. Donc finalement on voit que Poséidon est important pour Ghost Gaming. Mais ça c'est vieux briscards hein, qui comprennent ça dans le jeu. Je comprends pas pourquoi c'est ça. On n'insiste pas au sous. Et c'est pour ça que malheureusement le Pixilla est étonnant. Parce que ça marche pas. Normalement c'est pas censé marcher. Vous pouvez jouer comme ça et lui mettre beaucoup de décal dans les dents. Donc il y a quelqu'un dans le chat qui a dit que tout à l'heure Captain Twig c'était l'élément le plus mauvais de Ghost Gaming. Bon là pour le moment non. Pour le moment non. Il est présent, il est chaud. Autant avec son Anubis que Poséidon. Même si là il est en 0-0-0, il pouvait pas faire grand chose. Comme on l'a expliqué, c'est pas vraiment de la faute de Captain Twig. S'ils sont morts sur la duo, il peut pas venir plus vite. Il a un chemin qui est plus long. Donc c'est plutôt de la faute de reste de son équipe ça. Et Variety qui s'en sort tranquillement face au petit écureuil. Les bots de concentration ont été faites pour Discord. Ils font le même build, sauf que bot de mage quand même pour Poséidon avec une orbe funeste derrière. Les bots renforcés pour les supports. On se rend bien compte hein, pourquoi les bots renforcés. C'est parce qu'ils prennent cher les supports. Hein. Ils sont tous les deux morts dans cette game. Donc ils se disent, bon bah il faut faire l'item. On peut pas se permettre de faire des bots de concentration. On fait l'item qui permet de le plus de tanker pour nous aider. Allez, 2-1 pour Renegade. Et ça a calmé Ghost Gaming. Hein. Quand même. Un peu. OSM Jack, il va tenter un flash ulti. Ouais, il a compris. Il a compris, Panda 4. Dash instant. Pour pas se prendre. On voulait forcer la purif du Cupidon. Attention. Ouais, on veut embêter Variety, mais c'est trop tard. Il a déjà son bleu. Ça décale, pas de bac arpifé. Voilà, on claque. Ah non, on accepte de prendre le sort. Ça, c'est ballsy. Ah, c'est marrant. Putain, c'est trop bizarre. Il a accepté de prendre l'ulti et derrière, il a bids. C'est très étrange. Cerber qui inflige beaucoup de dégâts. L'arrivée de Captain Twigo et Sam Jack, on peut déjà lui dire au revoir. Barracuda l'a abandonné. Poséidon, 2 décales à 0 pour le moment. Enfin, non, une décale partout, pardon. Puisque Discord est en 1-0-1. Et on voit que Poséidon, ouais, ça décale plus vite que Discord grâce à son passif. D'ailleurs, passif qui est nerfé en saison 8 hein, à la hauteur. Je crois que c'est 10% de vitesse de déplacement quand on est full marée. Alors que là, pendant la game, il est à 15%. Donc, deux partout et l'écart de goal passe à l'avantage de Ghost. Et surtout, on a un Poséidon Doomorb. On tente le move contre Variety. Variety est dans la merde. Il est mort. Bien joué.
Aïe, 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 les amis. C'est chiant, ça, pour Variety qui tombe. Pourtant, il gérait bien sa phase de lane. Mais malheureusement, il se fait rush sur un back de Cerber et un rush également de Fine OK qui le surprend et qui le tue. Il va essayer de catch l'Asbra qui ferait son bleu. C'est, ils sont très sneaky, hein, les ghosts. Hein. Ils font vraiment des trucs... Et Captain Twig, regardez, il y a vitesse du personnage. Vraiment très très vite avec la Doom Orb et le passif. C'est assez dingue. Et on voit qu'on claque le 3 et ensuite on met des auto-attaques avec le 2 pour remonter sa marée au maximum et pour pouvoir réenchaîner derrière et aller très très vite. Les Oracle Harpy. Non, il les a eus. Venez-nous, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Allez, on est derrière Renegade. On est là pour... On est derrière le petit poussé. Buff rouge récupéré pour Captain Twig. Et on retourne. Pour le moment, pas un énorme écart. C'est pas grave. C'est pas comme dans la game précédente. Et il récupère un totem. Il égalise 3 partout. Entre Fine OK et Variety sur cette solo lane. Au niveau de cet objectif. Allez, Polar Bear Mikey Zone. OSM Jack. OSM Jack qui est déjà mort 2 fois. Donc il est un peu dans la merde. Alors Ares, je trouve ça bien. Mais alors quand ça tombe derrière, je trouve que ça tank pas. Parce que le gros problème d'Ares, c'est pendant son ulti, il peut se prendre la foudre et mourir. C'est bien. Quand Fine OK est obligé de claquer son ulti en défensif, Variety est un petit peu plus tranquille. Ça me force au cœur qui met des dégâts. Le Whirlpool, le Kraken, il survivra. Il survivra car il s'est pris le bord. L'arrivée de l'Asbra qui récupère un kill sur Captain Twig. C'est bien. Ça va calmer. Ça va calmer le frère de Zeus. Le maître des océans, le flash, la chaîne qui cripple, le stun enchaîné, Cerber qui se fait manger tout cru et Renegade qui sécurise 2 kills et qui va pouvoir sécuriser la première T1 de cette game qui est une T1 qui tombe tôt, hein, 10 minutes 45, on fait tomber la T1 middle, ça va mettre en difficulté le Poséidon, trade de tourelle. Mais c'est vrai que la T1 est plus importante qu'une tour de la solo, surtout que Variety s'en sort à peu près. Sur la solo s'en sort même bien, même s'il est mort une fois. On commence le pyromancien. Voilà, ça c'est des calls qu'il faut faire. Ça va permettre de sécuriser le premier pyro de la game et de repasser devant au gold. Bien joué. Le totem of coup en même temps côté Fine OK. Et on est sur un léger avantage pour Renegade. Avec OSM Jack qui a recollé au score par rapport à Cerber grâce à son kill prix. Les ADC sont 11, les mids sont 12, les junglers sont 11. Et Achille a un léger avantage sur Rata maintenant alors qu'il était mort. Il est level 12. La chaîne sur Polar Bear Mike. On rappelle, hein, la chaîne d'Ares cripple. On veut tenter un all-in à la gold, mais l'Asbra est au courant. OSM Jack doit faire tout le tour. Ils le savent. Ça prend beaucoup de temps pour qu'Ares soit là. Donc on kraken. Et boum! On récupère l'objectif. Bien joué. Ça, ce sont des calls agressifs et qui marchent très très bien. Allez, on laisse Cupid farmer parce qu'il est derrière Apollo et Cerber est devant Ares. Donc autant laisser l'XP à son ADC et plutôt aller faire les back harpy avec Ravana. Variety qui va mettre pas mal de dégâts à la tour, mais la faire tomber. Après, Achille fait quand même beaucoup de dégâts autour elle. Bouclier du gladiateur. Alors on a envie, hein. On a envie de tenter quelque chose peut-être sur Variety. Cerber, non, Cerber il va attendre des bacs, j'ai l'impression. Au niveau item, pour le moment, Variety tank légèrement les dégâts physiques et il va partir sur une massue. Pareil pour Ratatosker, ils font un peu un build similaire. Au niveau des midlaners, c'est Orb Funeste, bot dommage. Et on enchaîne sur... Il va faire quoi, là? Il va faire quoi, le Poséidon? On va voir. Fine OK contre Variety. Et Variety prend quand même pas mal de dégâts. On avait décalé au cas où s'il y avait besoin d'aide sur le Achille. Attention. Oh, il est vu. Il est vu, il est sur une ward.
Pour le moment, peu d'impact pour Barracuda avec son Apollo. Il rentrera dans la game petit à petit. Ça, c'est certain. Ah, ça va être une Pythagore pour avoir la pénétration. D'accord. Et le lifesteal en plus pour les autres. Pourquoi pas. Et la puissance. Divine Ruin qui a été rush par Discord. Ça permet de réduire le heal. Et donc c'est pas mal. Ravana sustain un petit peu. Rata aussi. Et justement il y a une Pythagore. Donc ils vont tous se sustain. Parce que la Pythagore donne à la fois du lifesteal magique et du lifesteal physique aux alliés. C'est un objet qui se fait moins. Mais qui est pas mauvais quand on a des... Qui est bien je trouve dans des games où on a beaucoup de personnages qui se jouent hybrides. Puisque finalement vous les buffez. Tous. Alors c'est vrai que c'est une Pythagore sur, pour deux personnages qui seraient build avec 6 items défensifs hein, sur un guerrier et sur un support. On va pas vraiment d'impact. Par contre sur des personnages qui sont un peu briseurs comme Rata et Ravana, c'est bien. Parce que je pense que ça sera un Ravana briseur, on verra. Mais je pense qu'il sera quand même avec beaucoup d'items de dégâts. Mais là on voit qu'il part bouclier du gladiateur, donc il s'y fera une massue, on verra. Le flash, on chope le... petit Poséidon et on lui force sa purification. Et donc ça vous le savez, c'est juste un pari pour l'avenir. Est-ce qu'on pourra rechoper Poséidon quand Arès aura de nouveau son ulti? Attention, le décal sur Fine. Ok, il essaie de se transformer. Est-ce qu'on peut le burst? Non, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de le burst. Par contre, c'est la prise de la première T1, la deuxième T1, pardon. T1 de la solo. Le pyromancien qui repop dans un petit moment encore. Il n'y a pas la possibilité de le faire maintenant. Cap des mages pour notre cher Cerber. Intéressant. En même temps, il joue frénésie et flash. Donc, il joue pas de purif sur Cerber. Donc, il a la cape des mages et son outil pour éviter de se faire ramener par Arès. Ce qui est plutôt rare. Généralement, contre un Arès ou un Fenrir, on prend même une purif sur un support. Time for Soccer récupère le contrôle de la vision, 1 minute 5 avant le repop de la gold. Et on a le pyro qui repopera à peu près en même temps. Attention, Polar Myrmak, on lui force sa cape de mage avec le sort de Discord, on le cripple une dernière fois. On lui inflige des dégâts, bon, pour pas le tuer. Gantelet tape full stacké et cape des mages. Bon, cape des mages, c'est pas l'item qui permet le plus de tanker, hein, c'est l'item de la branche peut-être qui permet le moins de tanker entre la cape de Discord, la robe spirituelle et la peau de l'oursin. Mais ça donne quand même quelques stats défensives. Allez, on all-in le pyromancien. Oh, Renegade récupère son objectif, mais l'Asbra va mourir. Malheureusement, il pourra pas se barrer. Un kill. Oh, ça garantit quasiment la gold. Ça garantit quasiment la gold. Barracuda qui est gide, qui va se faire ramener. L'arrivée de Wesom Jack essaye de se mettre devant. Il va mourir de la Earthbomb malheureusement. Dommage, Wesom Jack aura du mal à tuer quelqu'un. L'arrivée de Captain Twig qui va essayer de le one-shot. L'outil d'Arès pour essayer de les ramener sous tour. Mais malheureusement, non. Aïe, 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 aïe. Fight compliqué. En plus, on va peut-être réussir à tuer Venenu. L'arrivée d'Achille. On va réussir à tuer Fine, ok. Mais bon, c'est un 4 pour 1. En faveur des joueurs de Ghost Gaming qui vont pouvoir essayer de s'attaquer à la T2. Il peut peut-être défendre la T2 et leur laisser à ce moment-là la gold. Oh non, ça va tomber trop vite. Non, c'est bon, ils sauvent la T2 mais ils perdent la gold. Est-ce qu'ils vont pas à la gold derrière? Non, ils insistent un petit peu trop peut-être. Est-ce qu'ils peuvent espérer pouvoir le tuer? L'égide qui a été claqué. L'arrivée de l'Asbra qui est prêt à all-in. Mais c'est vu par Sam Force Soccer. Le kill de l'Asbra. Le trade de Polar Beer Mike. Le jump sur Variety. Bon, finalement, j'avais dit ce qui s'est passé. C'est ils défendent la tour et derrière, ils font la goal. Je pense pas qu'ils pourront la défendre. Ils arriveront trop tard. Elle sera faite déjà. Bien joué. Et on peut pas all-in fire derrière. Il n'y a pas assez de monde. Dur là. Dur pour Renegade qui lâche un peu du lest. 2400 gold de retard maintenant. Et Barracuda, on le voit complètement muselé hein, dans cette game comparé à hier où il était beaucoup plus impactant, où il a tenté beaucoup plus d'ultimate. Là, il farm. Là, il farm pour le late, je pense.
Un Apollo, de toute façon, c'est toujours chiant, mais à partir de 20-25 minutes de jeu, il faut défendre les Sbironi qui ont été pop grâce à cette Gulf Fury. On rappelle que les Sbironi, c'est quasiment des une ligne de sbires enflammés, en gros. Hein. Donc, faut les tuer. Et ça fait très très mal au tour. Et très très mal au Phoenix. Donc, faut généralement toujours les tuer sur la ligne d'après. Alors, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'elles ont... cet objectif a été créé, pourquoi? Pour permettre derrière des all-in fire, en fait. Vous faites tomber les Oni Fury, vous wardez le fire, et vous attendez que l'équipe vienne essayer de voir si vous faites le fire. S'ils viennent pour faire le fire, bah vous, ou vous faites comme ça aussi, vous en profitez pour s'en servir, pour prendre une tour facile. Donc, vraiment bien joué. C'est du push, c'est très intéressant comme changement. C'est un peu l'idée du buff Nashor dans LoL maintenant, qui buff les sbires de ligne, hein, c'est un peu ça. Bah là, vous n'avez pas besoin d'être là, c'est la lane qui est buffée, une lane qui est buff. Intéressante. L'autre Gulf Fury pue. Hein. La primitive, c'est pas dingue. Polybirma qui va faire tomber le dernier Totem of Coup. Ça va être le dernier pop avant 15 minutes, mais s'il n'est pas fait, bah il reste jusqu'à qu'il tombe et après il n'y en a plus. Tentative de Fire Giant, on sait qu'Apollo est sur la duo. Attention, l'art Variety qui met un très bon stun sur Captain Twig. Mais Variety est-il suffisamment tanky pour le moment? On réussit à ulti du côté d'Ares et à forcer beaucoup de purification. Venenu a besoin d'aide, il se fait manger par Sam Forsaker. Apollo arrive beaucoup trop tard. Son équipe est déjà quasiment toute tuée. Mais dommage, le saut Beautiful était beau parce qu'il a touché les deux joueurs. On réussit à prendre le kill sur Wesom Jack. Lasbra essaye de s'enfuir. Il est suivi par Fine Ok. Barracuda s'en sortira. Polar Mirma, il peut prendre un milliard de coups de tour. Donc il le follow. 7 s'en sort. Aïe, 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 les amis. C'est chaud, c'est chaud. Ça pue pour Renegade. On perd les fights. On a un Barracuda qui arrive beaucoup trop tard. Beaucoup trop tard. Et c'est un fire. On n'a pas l'ulti Apollo cette fois-ci. Apollo, Barracuda part sur la duo car il a bien compris que le fire était en train d'être fait par les joueurs de Ghost Gaming qui vont récupérer donc le premier Fire Giant à 21 minutes. C'est moins grave que dans la game précédente, mais les Ghost Gaming arrivent quand même à snowball. On attend le repop, on attend le repop de Captain Twig et on finit l'objectif. Lasbra qui se dit il y a peut-être un kill à prendre, mais malheureusement c'est compliqué. Il y a des levels de retard. Barracuda part sur du speed push. Ils savent pas vraiment où sont les joueurs de Ghost, donc ils décident de pas taper la tour. Ils décident d'aller récupérer ça. On reprend le contrôle au niveau du pyromancien en vision. Ils ont vu qu'ils aient le pyro, mais ils seront là trop tard. C'est pas grave, ils se disent on a le fire, on leur laisse un pyro, c'est rien de gravissime. Niveau item, Breezer hein, sur Ratatosker, il part sur une Genji ou une Oni, on verra. Peut-être une Oni, je pense, là-dessus. Côté de Poséidon, on a fait Divine Ruin et on perd quoi sur une gemme d'isolation maintenant? Peut-être. Et lance dommage pour Cerber, hein. Ça fait plusieurs fois qu'on voit ça. Cerber est bien dans sa game, donc lance dommage permet d'augmenter les dégâts des coéquipiers. C'est très fort la lance, je trouve, sur les gardiens, plus que sur les mids. Les gardiens ou les solos, hein, si vous jouez un Sobek ou un Cerber. Niveau itemisation, Panda 4 a fait l'itemisation habituelle. Berserker, Cantelet de Dévoreur, Ulysse, Sage de Kin, Tabi Ninja. De l'autre côté, c'est plus le build crit. Avec réussite et on part sur un deuxième objet critique juste après. Peut-être un démon du vent. Le démon du vent d'ailleurs qui est encore up les amis au prochain patch. De mémoire oui, le démon du vent est encore up. Je sais plus ce qu'ils font, ils donnent plus de vitesse d'attaque. Je sais plus ce qu'ils font avec le démon. Allez, la Renegade, il va falloir sortir un gros teamfight. Faut être là.
On est sur une Discord qui fait quand même de beaucoup de dégâts et qui fait quasiment que des items de pénétration. Hein. Vous allez voir son build, c'est rigolo. Puisqu'elle part encore sur un item de pénétration derrière. Elle a fait Divine Ruin, Moissonneur et elle part encore sur un item de pénétration. On a l'Asbra qui est sur la solo, qui attend de décaler. On sent qu'il y a Polar Bear Mike, on laisse tomber la tour. Et les golds qui, les quarts de gold qui s'envolent. On est bientôt sur les 10 000. Ça passera. Les 10 000 passeront tout juste s'ils font tomber cette tour. Et Sam Forsaker, très solide hein, sur son Ravana qui est parti juste gladiateur. En fait, il n'est pas parti vraiment briseur, il a juste le gladiateur. Allez, Panda 4 qui back. On part sur un speed push, mais un speed push qui n'a pas vraiment d'impact. Regardez, Barracuda va à peine toucher la tour. Il y a déjà Sam Forsaker qui est là. On chopera pas. On chopera pas Barracuda. Démon du vent terminé. Arc d'Atalante terminé pour Cupidon. Donc il lui manque son dernier objet. Alors ça peut être Sylve Argent. Et ça peut être un objet défensif. On verra quel sera le choix de Panda 4. Alors, on était tôt dans la game. Hein. C'est pour ça qu'il n'y a pas de prise de phoenix sur ce Buff Fire Giant. Ça sera sans doute le prochain. Puisque le Buff Fire disparaît dans 3 secondes maintenant. Et le Fire repop une minute après. Toujours 4 minutes de buff, 5 minutes de repop. Hop, c'est récupéré. On continue de farmer. Poséidon a fait un bâton éthéré finalement. C'est pas une gemme, c'est un bâton éthéré qu'il a fait. Ça lui donne un petit peu de plus de burst. Et ça lui donne des PV supplémentaires. Pièce de Charon. Pièce de Charon, mais hyper tard hein, pour Poséidon à 25 minutes de jeu. C'est quand même tard. Mais bon, pourquoi pas. Il se dit que la game est bien partie pour lui. Donc il va peut-être la stacker plus rapidement. Je pense que la saison prochaine... C'est éclat d'obsidienne dans ce genre de cas. Je vois pas trop l'intérêt de la pièce parce que l'éclat, ils ont augmenté la puissance donnée de l'objet pour que ça soit équivalent en pièce. Donc je vois pas trop l'intérêt de la pièce. Sauf si tu penses que la game va durer 40 minutes et que dans 15 minutes, tu auras ta pièce de charbon stackée. Là, le problème, c'est que c'est pas censé durer encore 15 minutes la partie. S'il y a un bon fight de gosse, c'est terminé. Donc vous auriez plus d'intérêt à avoir l'éclat pour le proc tout de suite de l'éclat d'obsidienne et la pénétration tout de suite. Enfin, le proc surtout de l'éclat, tout de suite. C'est plus rentable en fait, mathématiquement. Allez, on a Barracuda qui speed push. On a l'Asbra qui attend comme s'il y aurait quelqu'un qui pourrait venir. Il vole un petit rouge. On a Variety qui est parti prendre le contrôle de la vision. Donc Variety, il a massu garde de Genji Cap de Discord. Là par contre, ça va un peu mieux pour son Achille. Et puis au pire, il peut se mettre en stand défensif. Fine OK qui dash sur Away Subjack. On lui met la chaîne. L'arrivée de Polar Bear Mike. Le stun qui ne passe pas sur Away Subjack. Heureusement, mais il arrive à faire proc la lance de mage qui augmente les dégâts du petit écureuil. Après, l'écureuil fait pas encore très très mal, mais ils insistent encore sur Away Subjack. L'arrivée de Cupidon. Away Subjack, il va claquer un ultimate. Sa force des ultis. On réussit à ramener Panda 4, mais on ne le tuera pas. Panda 4, ça fait déjà plusieurs fois qu'il bise après. On réussit à prendre un kill, c'est bien, un 1 pour 1. Attention, l'Asbra en difficulté. Oh, le stun de Cerber qui fait la différence là-dessus, bien joué. 2 pour 1. C'est dommage, ils n'ont pas voulu combattre à 100%. Barracuda n'en a pas profité pour speed push. Il n'arrive pas à jouer, hein, Barracuda, dans cette game comparé à hier. Étoile empoisonnée, sans doute pour le... Pour l'Apollo encore en objet critique. Et on peut faire le pyromancien. Marietti qui vient reprendre du contrôle. On a le proc du bâton éthéré. Allez, Apollo peut venir avec l'ulti, mais pour le moment, il va aller sur sa lane. Fire qui est commencé.
On est sur un Fainoke qui n'est pas là et un Lasbra qui n'est pas là. C'est donc un 4 contre 4 avec Apollo qui décolle. Apollo Hardline qui décolle le Kraken. Ghost Gaming qui fait tomber l'ulti. L'ulti de Variety pour essayer de se barrer. Allez, faut tenter quelque chose. On retombe peut-être. Non, on retombe pas sur Captain Twig. Donc là, on sait qu'Apollo est là. On l'a entendu. Finalement, on ne tente rien. On préfère jouer safe. L'équipe adverse a un Fire Giant sur chacun de leurs joueurs. Pyromancien derrière. Aïe, 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 aïe. Ils veulent pas tenter. Ils préfèrent jouer safe. Ils pensent qu'ils ont une bonne capacité à teamfight en late. Alors, en late, ils ont pas un mauvais late. Hein, ça, c'est clair. Apollo est supérieur à Cupidon, je pense, en late game. Mais bon, Seth, il se fait quand même beaucoup gérer, là. C'est compliqué. Et puis, OSM Jack ne tank pas encore, je pense, suffisamment. Allez, Gold Fury derrière. C'est petit à petit que Ghost Gaming veut gagner cette game. Ça sera moins rapide que la première. Mais ils sont quand même très très bien partis pour mener 2 à 0 dans ce BO5. À la fin de celle-ci, on prend les élixirs à 500 gold maintenant. On va pouvoir un peu snowball là-dessus. Avoir un avantage par rapport à l'adversaire. Et en plus, on arrive à voler les rouges. Et ça, c'est dur pour Discord. Sam for Soccer, il va récupérer l'objectif, mais il attend la fin de son speed. Non, il le donne à Poséidon. Allez, on a Cerber à gauche. Est-ce qu'on va fight? Fainoke qui commence à taper le Phoenix. Même s'il a l'aggro. Le stun. Salut, au revoir. Allez, on est en 4. 4-1. 4-1 de chaque côté. Et Fainoke qui speed push. Il a une spectrale. Il est très tanky, Fainoke, avec son Ratatosker. On notera une spectrale, un Pridewen, une Genji, un Gladiateur, une Massue. Ouais, il est briseur, mais quand même briseur très très tanky ici. Il a quasiment pas de dégâts, à part sur la Massue et Gladiateur. Attention, Barracuda! Qui se fait quasiment 100% zéro. On veut le tuer. Il sait plus où se mettre. Captain Twig qui sécurise le kill. C'est fini. Variety qui prend un kill sur Sam for Soccer. On réussit à prendre le kill sur Variety. Svenenu est obligé d'égide à l'intérieur de sa fontaine. On a réussi à faire un 3 pour 1. On va aller sécuriser tous les Phoenix. Au moins sécuriser un deuxième. Sauf si les joueurs se commitent. Fainoke. Et on termine avec les sbires qui viennent juste d'arriver. Les joueurs de Ghost Gaming mènent maintenant 2 à 0 dans ce BO5. Aïe, 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 c'est dur. C'était bien évidemment attendu de voir Ghost Gaming rouler sur Renegade. Et bah, ils sont en train de le faire. Donc, très bien joué de la part de Ghost Gaming qui mène maintenant 2 à 0. On se retrouve tout de suite pour les pick et ban de la troisième map. Et on est parti dans les pick et ban de la troisième map entre les Renegade et les Ghost Gaming. On a ban Yemoja, Anubis, Aphrodite, Morrigan. Et c'est marrant, hein, le ban, on veut pas revoir un Anubis. On ban L. Donc trois healers qui ont été retirés. Et on va voir quel va être le dernier ban. C'est un Ratatosker. On veut pas qu'il soit pick par les Renegade. Alors, en first pick, il y a beaucoup de choses. Il y a bien évidemment Seth, il y a bien évidemment Cupid. Il y a également la possibilité de first pick Guan Yu. Et ça sera le Cupidon qui va être récupéré pour Renegade. Pour Barracuda. Assez logique. Ghost, on va prendre un Ymir. Histoire de ne pas pouvoir le prendre pour Polar Bear Mike. Alors, est-ce que ce Ymir est lock? Et quels seront les choix suivants? Le 7 est disponible. Qui a quand même été un peu contesté par les deux joueurs. Il y a Guan Yu, il y a Ymir. Au mid, on a la possibilité de prendre... Non, Morrigan, elle est ban. J'allais citer Morrigan, mais il y a Perséphone aussi. Ymir est lock. Sans doute pour Polar Bear Mike, même si Ymir peut être joué solo lane de temps en temps.
C'est quand même assez rare. Et Kukulain. Oh, on prend direct une frontlane extrêmement solide. Ymer et Kukulain. D'ailleurs, y a un objet en saison 8 qui est complètement broken, qui fait que vous faites des dégâts quand vous faites une compétence par rapport au pourcentage de PV de l'ennemi. Et tout le monde dit que c'est broken sur Arthur, mais c'est également pas mal sur Kukulain. C'est quand même pas mal sur Kukulain aussi. Donc faudra y penser. Bonsoir Iker, je viens de voir ton gameplay 3 de Hollow Knight, c'est vraiment cool. Ah, il est génial Hollow Knight. Mais là, j'ai pas pu tourner l'épisode 4 aujourd'hui, donc il sortira sans doute que demain. Allez, on récupère un tir. Tir pour support, bien sûr, sans doute. Et poser Inomid, histoire de ne pas le laisser à Captain Twig. On a vu hein, l'avantage et pourquoi il est nerfé en saison 8, pourquoi l'orbe funeste est nerfé, pourquoi le système de marée est nerfé, parce qu'on voit bien que Poséidon en équipe c'est très très cool, ça décale très très vite, ça a beaucoup d'impact et qu'une Discord bah, ça peut pas suivre tout simplement. Perso j'y comprends rien au MOBA. Alors le MOBA est une mécanique, sur le papier c'est assez simple, c'est 3 lanes dont tu vas avoir un 2 contre 2 à gauche. Un 1 contre 1 au mid et un 1 contre 1 solo avec un mec qui se balade dans la jungle et qui fait des buffs, qui fait des camps et qui a pour but de essayer de ganker des lanes et de faire des kills, d'apporter des supériorités 3v2, 2v1, etc., etc. Et ton but, c'est de faire tomber les objectifs de l'adversaire qui a généralement soit 3 tourelles, un idib et un titan, un nexus ou un... comment ça s'appelle un nexus. Ou une Rax dans Dota, et dans Smite c'est 2 tourelles, un phénix et un titan. Les titans ce sont les pères des dieux grecs, donc en fait tu dois tuer un titan pour gagner une map conquête. La map conquête c'est dans le lore du jeu, c'est la map grecque. Donc il n'y a rien de compliqué, et pour cela tu gagnes des levels en tuant des sbires qui sont sur chacune des lanes. Il y a des monstres dans la jungle, tu gagnes des levels, en gagnant ces levels tu achètes des items. Tu deviens de plus en plus puissant et donc c'est de plus en plus facile de faire tomber des tours, de faire tomber les adversaires, de faire tomber les objectifs. Et ton but c'est de tuer le titan adverse. Et il faut au minimum avoir enfoncé une lane. Tu ne peux pas aller attaquer le titan dès le début. Il faut que tu aies enfoncé une lane, c'est-à-dire faut que tu aies fait tomber les deux premiers, la T1, la T2, le phénix. Et à ce moment-là tu peux finir la partie et tuer le titan. Donc rien de plus compliqué, le papier est simple, le reste après, ça, c'est une autre histoire. On prend un rat middle, rat c'est pas mal, ça c'est avec un Ymir et un Kukulain et un Bats. Donc rat mid, on voit que Captain Twig, il s'est préparé des picks dans ses worlds qui sont des pushers. Hein, Anubis, Poséidon, rat, ce sont trois des meilleurs pushers du jeu, des personnages qui peuvent être un petit peu partout. Dû à leur sort. Alors Anubis non, il n'a pas de mobilité, il va pas si vite, mais par contre c'est un pusher et il fait des camps très très vite, ce qui est également le cas de Ra qui peut faire un camp avec son 1, qui peut faire un camp avec son 3 et son 2 et qui a pas mal de mobilité avec son passif d'ailleurs nerfé début saison 8, donc le 26 janvier sur les serveurs officiels. On a un Bats et on prend une Pélé et un Kamazot. Ça va, Barracuda, il a quand même le sourire. Alors, est-ce qu'ils ont fail pick? Ils ont fail pick, là? Est-ce qu'ils ont fail pick? Ils veulent foutre le... Est-ce qu'ils ont pas pris deux junglers d'un coup, là? Je sais pas. Je sais pas s'ils ont fail pick. C'est pas ça, l'histoire? Est-ce qu'ils ont pas pris deux jungles, là, sans faire exprès? Au lieu de prendre un jungler et un top, où ils ont envie de jouer Kamazot solo. C'est pas un fail ça, les experts dans le chat, peut-être. Emdal, qui est récupéré par Ghost. Emdal, qui est récupéré par Ghost, donc en ADC, avec Ymir, Kukulain solo, Ramid et Unbats. Parce que de l'autre côté, c'est quoi le solo? C'est Kamazot, c'est Pele Jungle, tir support. C'est chelou, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un Kamazot. Un Kamazot face à un Kukulain, ça tient bien ça? On va voir comment ça se passe. La draft est étonnante côté Renegade. On espère que ça se passera bien pour eux. En tout cas, on a un Poséidon mid, donc un personnage qui aura pas mal d'impact en début de partie. Il faut pas rater les Kraken. On se retrouve tout de suite pour le début de la troisième game. À tout de suite.
Et on est parti pour cette troisième game. Renegade sera en bleu avec Variety, solo lane avec un Kamazotte, c'est bien ça. Lasbra en jungle avec une Pelée, Venenu qui va jouer Poséidon mid, OSM Jack qui va jouer tir support et Barracuda qui jouera un petit Cupidon. Du côté de Ghost, Fineoke va jouer un Cuculane, Sam Forsoker un Bats, Captain Twig un Rat, Polar Bear Mike un Ymir support et Panda Cat un petit Emdaller. Et là, on le voit bien, il commence à, comme je l'ai expliqué dans le guide, il commence avec le 3 pour avoir le reset du cleave. Dès qu'il pose un 3, il cleave en auto-attaque. Et donc, il peut ainsi plus facilement dépush. Il y a plusieurs sbires. Donc, c'est un style de jeu assez particulier, mais pourquoi pas. Ça lui permet d'avoir son escape direct. Allez. On est tranquillement dans la tête de Barracuda, là. C'est marrant. Plutôt que d'avoir la vue du dessus. Vous voyez, on essaye quand même de last hit, hein, de récupérer le kill sur les sbires. Parce que ça rapporte des golds. Et Venenu et Lasbra vont essayer d'aller récupérer les mid arpides droite. Après avoir fait le rouge. Tandis que Bats et Ra vont aller faire les oracles. Ce qui signifie qu'il vaut mieux laisser push l'adversaire pour ne pas se faire surprendre. C'est ce que font à ce moment-là les deux joueurs. Fineoke qui va jouer Variety qui va jouer un Kamazotte solo, ce qui est plutôt étonnant. Je me demande comment ça s'en sort. Il y a eu une époque en saison l'année dernière où c'était très très fort. Mais j'ai quand même l'impression que ça a suffisamment été nerf par Ayres pour être compliqué à jouer. Ouais, il met du poke. Et il y a la transformation, il a son bouclier, il va pouvoir... partir sur le totem of Ku. Non, il a déjà été fait le totem of Ku. Attention, Emdal qui s'enfuit, Polar Birma qui prend la Earth Bomb. Ça stun, mais ça va, pas trop de dégâts pour Ymir. Lasbra est sur la solo. Ils disent qu'il y a peut-être moyen de le tuer. Variety, il a sauté. Fineoke, il est sans doute mort là. Parce qu'il a sauté. Donc ouais. Ah, il avait encore son saut, mais il le tue Lasbra. Bien joué! Bien joué, First Blood des Renegades. Alors, est-ce que c'était prévu, hein? On savait que Kamazotte, pour moi, allait souffrir. Donc, est-ce que c'est prévu? Oui, Sam Jack qui ramène complètement Polar Bear Mike. On met la Hard Bomb. On abandonne. On n'a pas envie de... Au moment, en fait, il y a trop de sbires rouges. Vous le voyez, il y a beaucoup de sbires rouges. Donc, on décide d'abandonner l'idée de continuer à faire des dégâts sur le Ymir. On lui a Burst. Et dès que les sbires se retournent un petit peu, on préfère reculer pour prendre un bon trade. Allez, on donne le bleu à Fineoke. Fineoke qui se fait First Blood, c'est quand même assez rare pour le souligner. Bien joué de la part de Renegade. Et ça va faciliter la phase de lane pour Variety, hein, ça c'est indéniable. Après, il a raté son 2, il esquive avec le saut. Fineoke, c'est bien joué. Allez, Variety récupère ses bottes, ses tabis de guerrier. Pareil pour Pelé. Pareil pour le tir. Bottes de mage. Hop. On farm tranquillou bilou. Des deux côtés. Et on voit que même si Renegade a le First Blood, Ghost farm mieux. C'est assez dingue. Mais c'est vraiment le cas. Après, là, il y a beaucoup de birs autour, c'est normal. Donc, ils perdent pas mal de gold. Avant, dans Smite, vous perdiez la totalité des golds d'un sbire qui était tapé par la tour. Maintenant, c'est seulement 50%. Ça permet d'éviter de se faire snowball, en fait. Attention, Captain Twig, le dash, l'ultimate de Lasbra qui permet de prendre le kill sur le rat. C'est bien joué. Même pas eu besoin du Kraken de Venenu. Et ça, c'est bien de la part de Renegade. Grosse pression mise sur le rat, qui est un personnage qui est difficile à jouer. Hein. Moi, je le conseille pas forcément en conquête solo queue. Vous êtes quand même assez dépendant de vos coéquipiers. Regardez la tentative de gank pour Fineoke. On va essayer de le dive. Et là, il se rend compte qu'il y a un... Oh, superbe timing. Super moment pour ulti. Oh, et Subjack a pris beaucoup de coups de tour. Le Whirlpool. On essaye de le tuer. Oh non. Oh, Fineoke 1v3.
1v3 de Fight OK. Aïe, il se barre, ça me force au cœur, il se barre. Lasbra les a complètement pétés. Fight OK les a complètement pétés, Lasbra qui va mourir. Aïe. Oh non, oh le coup au moral, Fine OK phénoménal, super timing d'ultimate pour ne pas se faire ramener par le tir. Esquive du Kraken derrière. Pouah là là, ça c'est à montrer dans les écoles de Smite. Pour tout solo laner, c'était phénoménal. QQ lane n'a rien à envier à Arthur, hein. Très clairement, moi je trouve qu'il est très très fort QQ lane et je pense que sur la saison 8 il va vraiment être bien. Allez, 3-2 pour Ghost. Renegade qui perd son avantage hein, sur ce move, bien sûr. Mort de Poséidon, mort de Pelé, mort de Kamazote. Ça fait mal. Et Variety va ressouffrir de nouveau. Ultimate, esquivé, c'est bien. La transformation, on place le route. Pouah, combo entier réalisé ici par, par Cuculane. Histoire de mettre la pression. Bon, après, ça reste un Kamazote. Donc, il peut se sustain avec son 3. On dash sur Sam Forsaker. Où est Sam Jack qui essaye d'être présent dans ce match. Variety qui met ses dégâts. L'arrivée de Wesom Jack. Attention, il n'y a plus d'ulti hein, pour Fine OK. Mais il y a Sam Forsaker qui est là à la rescousse. Le 3 qui rebondit. Et boum! On claque l'ulti instant. Bien joué. Bien joué de la part de Variety. Superbe move hein, de Sam Forsaker. Le réflexe hein, du 3 de Bats. Très important. Ouais, ça va être compliqué. Rakela. Wesom Jack qui flash. Le Kraken! Mais Sam Forsaker tank. On réussit à prendre le kill sur de la part de Variety sur Sam Forsaker. C'est un trade pour un jungler pour support. Relativement correct ce trade alors. Oh là là, Variety. Variety qui prend la sauce. Est-ce qu'ils vont essayer de le dive? Oui. Oui, il jump out. L'arrivée de Ymir. Le flash et le kill de Fine OK. Oh là 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 là. Cuculane a vraiment quelque chose un peu du Gnar de League of Legends. Ça se ressemble quand même un petit peu. On sent que les joueurs de ce perso doivent vachement bien maîtriser la barre et avoir des coups d'avance quand même. Il a vraiment un très bon kit de sort, Cuculane, je trouve. Là, Fine OK sort le grand jeu. Hein. Je pense qu'il a pas kiffé qu'on essaye de le tower dive à 3. Attention, Wesom Jack, attention, il est level 6, il est dans la merde. Il est pas level, Wesom, attention, faut farmer à un moment. Les levels, ça joue dans les MOBA. Allez, on va tenter un all-in à la gold. C'est bien de la part de Renegade et ça va passer sur le bac de Ra, d'Emdal. Bien joué de la part de Renegade. Ça, c'est de la macro. C'est de la macro. Ça donne de l'XP à Tyr. Qui est de toute façon un peu dans la merde. Et là, on se dit... Attention. T'es pas au level. Oh, oui, t'es pas beaucoup. T'as pas beaucoup de PV. Oh là là, mais la tour, elle est déjà down. Elle est déjà down de Variety. Deux levels de retard. Aïe, on va maintenant marcher sur ce côté-là de la jungle. Variety qui se prend un fire et il va réussir à la canalisation de son ulti, c'était chaud. Mais il perd son bleu. Et il y a donc maintenant plus de 2 levels d'écart entre les deux joueurs. Le flash, l'ultimate, bon là l'ultimate peut pas passer tant qu'il a son saut, c'est sûr. Non, oui, Sam Jack, y a rien à faire là, y a rien à faire. Variety peut pas fight, il a pas d'ulti. Il veut pas rentrer dans le fight. Barracuda contre Panda 4. Pour le moment, deux champions du monde qui s'affrontent. Égalité entre les deux.
Et au niveau du farm, Cupide est devant le farm d'Emdal, pas de beaucoup. Ouf. Oui, Sumjack, on veut pas le laisser jouer son tir. L'arrivée de l'arrivée de Fine, ok. Mais il ne prend pas son kill. Lasbra, qui tape un truc, qui a deux levels de plus que lui. Qui a une pierre de Gaïa. Free pyromancien, les amis. Free pyro. Un Renegade qui est déjà derrière, malheureusement. Et c'est le premier pyro de la game. Bon, premier pyro pour Ghost. Deuxième, première goal pour Renegade. Oui, Sumjack, il saute là, mais ouais. Il est pas très utile hein, pour son équipe. Vous le voyez, en écart d'XP, c'est 4500. En écart de gold, c'est 2000. À 10 minutes de jeu, c'est un écart huge. Allez, Cupidon. Qui back. Ça va. Pour l'armure Makira de son freeze, mais on laisse Emidarpi. Je me demande si Wesom Jack fait X-Pred plus XP du tout là avec son tir, mais il a quand même 3 levels de moins qu'Ymir maintenant. Ah ouais, non mais il troll maintenant Wesom Jack. Il essaie de gagner du temps, je pense. Mais bon, c'est qu'il n'y a pas d'objectif à faire quoi. Il n'y a pas de Fire, il n'y a pas de Gold Fury à faire. Variety, il est obligé d'ulti en défensif. Il part dans cette direction, mais ils trollent maintenant. Les... Non, ils essaient de les packer un maximum pour que le Kraken soit utile, peut-être. Whirlpool, non! Oh oui, Sumjack a sauvé tout le monde! L'ulti de Captain Twig, heureusement, Lasbra réussit à récupérer le kill. Ça a failli être une catastrophe. Heureusement, c'est un 2 pour 1. Il est sort complètement du Kraken de Poséidon. Lasbra va pouvoir s'en sortir. Oh là 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 là, ça a failli être la cata, la cata, la catastrophe sur ce move de tir. Allez, on récupère le farm côté Fine, ok. Allez, 5-6 là, écart de goal de 2000 entre les deux équipes. Ah, c'était beau, hein, la patte Kama, mais OSM Jack a failli vraiment faire de la merde. Allez, on a Venenu tranquille avec son orbe funeste. Et il va partir sur Divine Ruine ensuite pour réduire le heal de Ra qui part sur une couronne de Lotus. Build traditionnel. Allez, Apollo. Allez, Poséidon qui fait son farm. Variety qui est en 1, 2, 3 qui va partir sur une massue. La massue, c'est ce qui a été fait par Pelé déjà. Et une lamellée pour tir pour pouvoir transformer le premier slow sur lui en un anti-slow. Et derrière, un boost de vitesse de déplacement. Très intéressant la lamellée, même si elle est moins forte qu'avant. Elle donnait plus de vitesse de déplacement. Et même à une époque, elle donnait de la vitesse d'attaque. C'était un objet broken sur Chronos d'ailleurs. Fine, ok, qui chase, tentative de gold, Lolin sur la gold qui va passer, il n'y aura pas de contestation. Ghost Gaming prend encore de l'avance sur leurs adversaires. Lasbra qui essaye de se consoler en volant les bacs. Polar Bear Mike a une cape des mages. Allez, on est tranquille ou bilou. Il ne se passe plus grand chose. Côté Renegade, on est derrière. On a dû concéder cette goal. On a OSM Jack qui continue à faire un peu son saltimbanque, à essayer de faire perdre du temps. C'est vrai que ça reste quand même un personnage assez difficile. La lamellée qui approche, on met le fear, il ulti au bon moment. Derrière, il essaye de forcer un sort. Polar Bear Mike en a ras le cul du tir.
Allez, il se sustain, on met des dégâts sur Eivar, essayer de le faire revenir. Non, il a pas le changement. L'arrivée de Fine, ok. Le contrôle sur Variety, Variety, l'ulti. L'arrivée de Lasbra dans le back pour essayer de burst Sam Forsaker. On essaye de tenir face à Fine, ok. L'Egypte qui a été claqué, le 1 qui ne passe pas, Fine Ok qui va prendre la sauce là, il claque l'ulti, il évite, malheureusement il ne touche pas Venenu, mais il est, Venenu est tué par Captain Twig. Les Ghost Gaming ne se font pas avoir par ce tir, ils arrivent à gérer un très bon fight et à prendre un kill et une T1. La stratégie de Wesom Jack ne fonctionne pas bien, Captain Twig, regardez le heal. Le heal de rat. Fine, ok. On va bait. Il a trop de level d'avance. Il est level 15. Ils ont grid. Il rate son rayon. Pas facile à placer hein, ce sort quand on veut essayer de le dodge. Fine, ok. Ça touche avec l'écho, mais pas avec le 2, je crois. L'arrivée de Wesom Jack. Fine, ok. Qui a gardé son saut pour éviter, bien évidemment, le contrôle de tir. Mais il se le prend. Il va pouvoir sauter derrière. Il met des coups. Il reste dans le heal. Il se dit que je suis tellement tanky que ça peut peut-être passer. Mais non, il se fait tuer finalement par Wesom Jack. L'ultimate de rat ne changera rien. Bon kill récupéré ici. Ça me permet de faire tomber Fine Ok et de permettre à Kamazot de rattraper son retard. Parce qu'il a quand même 3 levels de moins que son vis-à-vis. Variety. Le Fear Noéville. Attention, il n'y a pas d'ultimate de rat. Il fait revenir le Sam Forsaker. Derrière l'arrivée de Lasbra pour sécuriser un kill, le Lowbringer. Et le Bats qui jump à travers le mur. Oh, le double wall, le double brain là. Captain Twig qui prend le kill sur Lasbra. Variety qui essaye de s'enfuir. Aïe 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 aïe. C'est dur. 8-6 pour Ghost Gaming, mais un avantage conséquent à 16 minutes de jeu. Et même si OSM Jack essaye de leur faire avoir une migraine, ça reste compliqué. Allez. Pour l'Herbirbal qui parle beaucoup au niveau des calls avec Captain Twig a priori. Ça parle pas beaucoup, j'ai l'impression, côté Renegade. Tentative de pyromancien qui ne sera pas contesté. Variety peut peut-être lancer un sort. Et c'est Ghost Gaming qui récupère l'objectif. Dommage, on aurait voulu que ça soit Renegade qui le prenne. Mais c'est pas le cas. Oh, on claque l'ulti à max range du côté de Panda 4 sur Barracuda. Est-ce qu'on peut le burst? Non. C'était chaud du cul. On lui a fait très très mal. Et maintenant, il est dans la merde puisqu'il n'a pas son sort. Le cristal se rouvre. Il ne peut pas utiliser le sort. Barracuda, Panda 4 qui fait la différence. Il réussit quand même à sécuriser un kill. On va perdre Venenu. C'est chaud du cul. C'est chaud du cul. Le 1. Oh, le 1 est magnifique. Oh, le 1. Le 1 est un dingue. C'est une dinguerie, le 1 de rat. C'est quasiment un max range qu'il le touche. Avec 2 secondes d'avance sur le move du joueur. Incroyable, le 1 passe sur ce move. Mais c'est pas possible. Captain Twig en 4-2-3. Extrêmement chaud. Les Ghost Gaming avaient faim de jouer. À force de regarder les autres équipes jouer depuis 5 jours, ils sont contents de rentrer en scène. Et ils nous montrent un excellent niveau. Peut-être le meilleur niveau de cette compétition. On le verra demain en finale. Mais bon, ça commence à puer du cul pour Renegade. Avec plus de 6000 gold d'écart entre les deux équipes à 18 minutes. La qualité du micro incroyable. Pourquoi? Normalement, il sature pas mon micro. Ah! Non, il sature pas mon micro quand je crie. Il sature là? Normalement, il doit pas saturer. Hein. J'ai mis un. Est-ce qu'il sature? Est-ce qu'il fait des bips? Est-ce qu'il fait mal? Tenez-moi au courant. Hein. Attention. Ultimate de Variety. Variety. Variety qui s'enfuit. Variety qui s'en sortira. Fine Ok a envie de le flash, je pense. Non, il veut pas. Oh, il le rattrapera pas alors. C'est pas un saut, ça suffira pas.
Il va récupérer le farm. Sature un tout petit peu, d'accord. Il a saturé plusieurs fois. D'accord. Bon, normalement, il doit pas trop saturer, mais... Allez, on garde le contrôle de la vision. Si, il m'a fait mal. Ah bah, faut pas mettre le son trop fort, oui. Avec moi, vous devriez le savoir, hein. On se fait pas chier chez nous. Sur les Kirtv. Attention, surtout quand il y a des bons moves, quoi. Allez, OSM Jack, qui a sa robe spirituelle et sa lamellée, qui part sur une massue pour avoir des PV pour pas se faire one-shot. Attention. On récupère les mid-arpies de droite. Et c'est tranquillou. Ils sont en train d'essayer de catch un petit peu en ayant le contrôle de la vision. Ils commencent le fire. Ouais, ils commencent le fire. Avec Panda 4 qui commence à le faire. Avec son Endal. Pendant que Barracuda est tout seul sur la duo. Donc forcément, on a envie. Il peut... C'est pas Apollo là cette fois-ci. Ils vont essayer de faire tomber la T2, ils défendent le Fire, mais c'est trop tard. Ghost Gaming a récupéré l'objectif, Variety s'envole avec son ulti. Pendant ce temps-là, on part sur un double speed push avec Poséidon et Cupid. Et OSM Jack essaye de gagner du temps pour leur permettre de faire tomber des objectifs. On lui claque carrément Inferno Evil, on veut essayer de tuer OSM Jack. Il repart, mais c'était déjà prévu. Il l'avait call, Sam for Soccer, ils ont l'habitude de jouer face à lui. Ils font tomber une T2 de la duo lane, c'est bien. Ça permet de limiter un peu la casse, mais le Fire Giant est bien évidemment entre les mains de Ghost Gaming qui va pouvoir essayer d'aller chercher les deux T2 qui leur manquent et ainsi s'approcher des 10 000 gold d'avance. Au niveau itemisation, Pierre de Gaïa, My Mystique, Peau de l'Oursin et une armure spectrale. C'est un QQ lane full tanky. Côté de Bats, c'est full dégâts lui par contre, avec une matraque, une lamentation, un crève-cœur. Côté rat, on a fait un bâton éthéré. Ymir a un Pride Wen avec la pierre d'entrave, après la pierre d'entrave. Et Polar Bear Mike, il n'avait pas commencé avec une itemisation hyper tanky, hein. Il avait fait cap des mages et pierre d'entrave, c'est pas si tanky que ça. Mais bon, ça passe tranquillou, comme une lettre à la poste. Emdal avec le build full vitesse d'attaque, le Cupidon avec un peu de crit, démon du vent et réussite. Allez, on va sécuriser, je pense que Renegade a quasiment malheureusement abandonné cette game. Hein. Ils ne défendent pas les tours, c'est assez logique. On voit qu'ils essayent de partir sur du push un petit peu sur toutes les lanes, mais bon. Là, ils avaient tenté quelque chose, je pense qu'ils avaient fait exprès de laisser l'Asbra sur Venenu pour que s'il y a quelqu'un qui vient défendre face à Venenu, il tente le move de faire un 1v2, de 1v1, mais ils ne sont pas tombés dans le traquenard. Allez, on récupère le pyromancien. Ah, c'est dur. L'écart de gold est maintenant de 9000 entre les deux équipes. On part sur... on a combien de blink dans cette game? 3 avec 2 tornes. La torne d'ailleurs qui est nerfée en saison 8. Ce qui est plutôt pas mal. Coquille pour Panda 4. Panda 4 est un peu comme Zapman au niveau de la méta. Regardez, il joue purification coquille. Et on va essayer de récupérer... le push sur la duo et push cette lane là en premier. La ligne opposée au Fire Giant. Tandis que Fine OK est au mid. On a un Variety qui va back. Voilà, Variety qui va back. La tour qui ne tombera pas. Hein, la T2 qui ne tombera pas là-dessus, je pense. Elle va tomber low, mais elle ne mourra pas, je pense. Alors, est-ce qu'ils peuvent encore faire quelque chose? L'éclat d'obsidienne vient d'être terminé par Poséidon. Donc, il a quand même pas mal de peine. Il peut faire des dégâts avec un bon Kraken. Mais bon, il y a des égides. Non, il n'y a pas d'égide finalement. On joue contre un Poséidon, mais il n'y a pas d'égide. Ce qui est assez rare pour le souligner. Oh, il a touché Lara. Nasbra, le flash de Fine OK dans le back pour zoner complètement Barracuda. Fine OK prend cher, il s'est transformé. Venenu qui va peut-être lui mettre un Kraken dans le nez pour essayer de le tuer. Oui, ça passe. Tandis que Sam for Soccer prend un double kill. Et oui, c'est un assassin. Il se sert de l'espace créé par Fine OK.
Oh, il sait. Oh, c'était bon ce qu'a fait Sam Forsaker. Il recule, puis ensuite il se re-TP pour essayer de brain, même s'il se fait tuer tout de même. C'est un 3 pour 2 plus Phoenix en faveur de Ghost Gaming qui peut aller récupérer la gold. Est-ce qu'ils vont vraiment essayer d'aller sécuriser un Phoenix? Ils vont essayer d'aller sécuriser un deuxième Phoenix. Bon, quand même, hein, c'est un tir plus un Cupid, ça peut défendre peut-être. Le freeze. Wesom Jack qui va essayer de ramener Polar Beer Mike. Qui prend un coup de tour. Le tir qui s'enfuit. Ouais, il essaye de deviner un peu. Et à chaque fois, il n'est pas loin, Captain Twig avec son 1. Les auto-attaques. Le crit qui n'est pas suffisant. Barracuda qui se fait full contrôle. Et oui, on le savait qu'il n'avait pas de purification. Il l'avait claqué tout à l'heure. Donc la formation a été transmise. Et on a pu le full contrôle et le tuer. Wesom Jack qui fait son troller là. Même si ça touche pas. Il n'arrive pas à sécuriser le deuxième Phoenix. Et Variety qui se décide de chase. Ouf, l'ultimate. Et un Titan Bane. Alors c'est marrant, le bat, c'est que Sam Forsaker, elle a vraiment le build que moi je fais tout le temps. Qui est un build que j'aime bien. Ouais. Crusher, Lamentation, Crève-Cœur et Fléau Titan à la fin. C'est un bon build. Hein. Sur Bats. Du côté d'Emdal, on a fait un bouclier du vide pour terminer. Enfin, pour terminer, il reste encore les bots, mais... Bâton de Tahuti pour Ra. Pour terminer, lui aussi. Même s'il restera encore les bots. Frigol, elle va pas être contestée, cette Gold Fury. Il y a un Fire Giant à faire. Et ça y est, on passe la barre des 10 000 gold d'avance. OSM Jack continue hein, de faire son chieur. On voit à quel point tir c'est difficile à faire tomber. C'est vraiment un chieur né le perso. Hein. Ce truc, quand c'est joué comme ça, ça peut donner des migraines. Hein. Quand il est devant, ça doit être infect. Je pense qu'il y a quelques écrans qui ont dû péter hein, contre Wesom Jack. Quand il est bien dans sa game, ça doit être... Il est tellement chiant avec son tir, mais c'est un truc de ouf. Le pire, c'est qu'il est pas mort plus que ses coéquipiers. Pourtant, il fait que ça faire chier. Hein. Alors, c'est pas un style de jeu qui fait forcément gagner. Je me demande si en solo queue, jouer comme ça, c'est infect. Mais peut-être, hein, ça désorganise bien. Mais faut quand même avoir une bonne connaissance du jeu et jouer technique. Parce qu'il le faisait déjà quand il avait pas d'item. Hein. Donc, il le faisait déjà quand il était pas du tout tanky à 0-2. Avec 6 levels de moins, il faisait déjà chier, quoi. C'est rigolo comme style. Bah, c'est très rare de voir ça, un joueur jouer comme ça à niveau pro, hein, c'est clair. Ça fait bizarre. Hein. Il feed la plupart des rankés de Wesom Jack. Bah, j'ai l'impression quoi, ouais, il s'en fout un peu quoi. Attention. Fine OK qui va sur Barracuda. Hein, toujours l'objectif principal d'un solo laner. Aller sur les deux carries, en priorité l'ADC en général. Et on voit à quel point il a zoné les deux. Hein. Fine OK, on l'a se braqué tout seul. On essaye d'essayer de le tuer. Et on va le tuer avec le cri de Coucou Lane. Le chien du forgeron, le fire. La bits instant de Venenu. Mais c'est très très compliqué. Wesom Jack qui s'enfuit avec son tir. On réussit à sécuriser un deuxième Phoenix. On a le Kamazot qui revient. Dual aim. Ou de Muzzle Pain. Je sais plus comment ça s'appelle. Le Helheim, c'est le monde des morts chez les Nordiques. Allez, on sécurise. Le dernier Phoenix, les potes. Ah non, il reste à reprendre celui de gauche. On assure côté Ghost Gaming. On prend plaisir, bien sûr, après ne pas avoir beaucoup joué pendant ces Worlds. En se qualifiant direct au demi. Et ils vont aller donc en finale de ces championnats du monde. Et leur chemin était tout tracé depuis les playoffs. La question, c'est... Arriveront-ils à gagner ces Worlds demain? Ça sera la bonne question, mais très clairement, les Renegades n'ont rien pu faire. Très belle game. Très très beau BO5 de Ghost Gaming. Un Fine OK magistral. Cette petite pépite, j'espère que quelqu'un a fait le clip sur le move de Fine OK. Ça serait bien de voir ça en best-of. Hein. Le move de Fine OK, on aurait dit...
pas moi sur Smite. Hein. Là, très clairement, il était magnifique son move. J'espère que vous aurez apprécié ce cast sur YouTube. Je vous dis à plus tard. N'hésitez pas à liker, c'est très important. Partager et commenter pour faire vivre Smite encore sur cette chaîne. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Ciao.